Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, ici Jake, bienvenue, vous êtes sur Iva Sound Studio. Iva Sound Studio, une petite asso de radio, de gaming, d'ateliers sociaux pro, bien évidemment, vous connaissez à force, et si vous connaissez pas, allez vous renseigner, il y a plein de liens en bas du stream, en bas des VOD de YouTube, sur les réseaux sociaux et sur notre Discord, bien entendu. On a publié très récemment plusieurs vidéos pour mieux présenter Iva Sound Studio, c'est l'occasion de se renseigner. Début de semaine, autour du sport, mais un peu calme quand même, faut y aller mollo, hein. Vous savez bien que moi et le sport ça fait deux. On est sur Mario Golf Super Rush, il vient de sortir, il est sorti si je me trompe pas jeudi ou vendredi dernier. On est lundi donc voilà, et on est au tout début de l'existence du jeu. On va voir comment ça se passe. Mario Tennis avait bien fonctionné quand il était sorti, on l'avait pas streamé Mario Tennis. Mais Mario Golf, voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose qui sort encore une fois de l'ordinaire et de mettre en valeur quelques valeurs autour du sport. Même si c'est du golf, ça reste du sport. Et en plus c'est autour de l'univers Nintendo Mario, ça peut que nous faire plaisir. Du coup c'est parti, je n'ai jamais lancé le jeu, c'est vraiment, je lance là maintenant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre à part du golf, mais est-ce qu'il y a un mode histoire, est-ce qu'il y a des défis, est-ce qu'il y a de la compétition, j'en sais rien, vraiment je n'en sais rien, donc on va voir ça tous ensemble. C'est parti, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dès le départ? Je regarde 2-3 choses autour du stream, je pense baisser la caméra, genre je vais lui commencer à se poser. Enfin, je me suis vraiment pas spoilé du tout, c'est pour ça que je reconfigure mes éléments maintenant. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais bouger le crowdfunding pour mettre par là. Tac. Vous pouvez aller soutenir le crowdfunding sur OkPal. Ça nous fera du bien. L'assaut compte sur vous. Est-ce qu'on est bon là? Ça a l'air. Allez. Alors qu'est-ce qu'on a? Match libre, aventure golfique, guide de golf, défi en solo, statistiques et options. Alors toujours commencer par les options. Musique de fond, oui. Commentaire de Todd, oh mon dieu. Je connais un Yakipon qui aurait mis non. Bon, je vais mettre oui. Parcours en mètres, oui. Alors tout en mètres, oui, parce que sinon je ne sais pas compter. Vitesse du vent, en mètres par seconde. Ouais. Main dominante. Je suis gaucher. Mais je joue à la manette. Est-ce qu'on est obligé de jouer au Joy-Con ou pas du tout? Un droitier a le grip du club dans la main gauche pour le swing. Alors attendez. Un droitier a le grip du club dans la main gauche pour le swing. Attendez. J'ai pas tout compris. On verra après. Commande du télémètre. La mesure de distance sera commandée par les mouvements. Par les boutons. On va laisser comme ça pour le moment. On verra, on adaptera. La caméra, on ne touche pas, c'est très bien. Allez, ça c'est fait, enregistré. Statistiques. Consultez vos performances avec les personnages, d'accord. Ok, c'est vraiment des stats pures et simples, très bien. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur le même hauteur que Mario Tennis, et pourtant le fond avec les petits points fait y penser que. Mais c'est pas le même menu. J'ai l'impression que c'est encore plus simpliste. Ils ont peut-être voulu simplifier la vie, je sais pas. Guide de golf, on va commencer par ça. Apprenez à jouer et à utiliser la jauge de puissance. Découvrez la terminologie utilisée au golf. On va commencer par les commandes de base. Oh bordel, tout ce qu'il y a. Oh. Wow. Ah oui, on est vraiment sur le tuto. Alors, frappez un coup. Apprenez à faire un swing avec votre club pour frapper la balle. D'accord. Utilisez L pour définir la direction dans laquelle vous voulez frapper votre coup. Appuyez sur X pour afficher en vue aérienne, l'endroit où votre balle va atterrir. J'ai l'impression qu'il y a du décalage sur l'écran. J'ai pas du tout la même chose entre ce qui est affiché sur la Switch et ce qui est affiché à l'écran. Ça a peut-être freeze. Je sais pas. Je pense que ça a freeze. Alors attendez. Non, c'est juste... Non, c'est l'écran qui veut pas afficher ça.
Ah, c'est nouveau ça. Bon, alors je vous lis ce que j'ai sous les yeux. Appuyer machin pour une vie aérienne, bah, ok. La ligne où la balle devrait atterrir après son trajet en vol, c'est le carry. La zone claire, son trajet au sol en roulant. La course. La distance totale d'un coup se mesure en additionnant le carry et la course. La puissance du coup, la vitesse et la direction du vent, le dénivelé ainsi que le terrain où la balle va atterrir influent sur la distance. Ça m'embête que vous voyez pas ce que j'ai à l'écran, alors que quand je reviens au menu ça s'affiche. Je comprends pas ça. Pour moi tout ce qui est là, c'est aucun, il n'y a pas de spoil, donc si le stream considère qu'il y a du spoil alors que c'est juste un tuto, c'est étrange. Bon, du coup je passe vite. Je passe vraiment très vite. Bah à la limite je ferai ça en off parce que voilà, et là vous voyez, j'ai rien fait de plus. Hein. Bon, terme de golf. Oh punaise. Ah oui, on a tout un lexique. Oh là là, tout ce qu'il y a. Ah oui. Alors ça, on ira peut-être de temps en temps dessus, mais clairement, je dirais le lire en off. Hein. C'est tout un bouquin à lire. Défi en solo, voyons voir. Vous réalisez le plus bas score possible sur 18 trous. Le meilleur temps, ok. On va faire l'aventure tout simplement, on va y aller tranquillement dessus. Ah. Je m'attendais pas à ça. La main droite est actuellement la main dominante par défaut pour le mode aventure golfy. Ce choix peut être modifié dans le menu des options. Mais je suis gaucher moi en fait. La cinématique, ouais. Oh, yeah. Oh. Ok. C'est quelqu'un qui regarde la télé, d'accord. Il y a Birdo. Il y a Bulldozer. Ok, je vais vous lire du coup. Ouais, Mario venait de gagner avec un coup tellement fou, je suis pas sûr d'avoir bien tout compris. Je voulais voir la scène repasser au ralenti pour analyser l'action. Ne fais pas la tête, Bill, la cérémonie de demain est bien plus importante que de regarder la télé. Birdo a raison. On devrait bien se reposer cette nuit, je sens qu'il va falloir être en forme demain. Merci Bou, ça fait plaisir de constater qu'il y a quelqu'un de raisonnable ici. Alors Bou, si vous le voyez, mais il est derrière la caméra. Bulldozer, je dormirai quand je serai fatigué, et puis ça dort un fantôme, tu réussis à ne pas passer à travers le lit? C'est une bonne question ça, dis donc. Toadette, enfin Bill, on ne pose pas ce genre de questions, voyons, bon moi je vais dormir. Toadette, je veux faire une bonne impression à la cérémonie d'accueil demain. Birdo, très bonne idée Toadette, quant aux autres, vous ferez bien de suivre son exemple. Si vous ne voulez pas être des cancres. Bulldozer, bah moi mon point fort c'est l'overdrive. Sur les links, elle pourra toujours courir pour me rattraper, Toadette. J'ai pas tout compris. Toadette, la force brute ne suffit pas à gagner, il faut aussi savoir se maîtriser et ne pas avoir peur de jouer un petit lay-up. Ils vont nous mettre tout le dico là? Bouh, vous avez tous les deux tort, le maître mot du jeu c'est la finesse. Ah, c'est moi. Ah, te voilà, on n'attendait plus que toi, approche. Cher golfeur, je vous présente le dernier membre de votre groupe, Jake. Quoi, encore quelqu'un? Tu as entendu tout ce qu'on a dit, pardon, je voulais dire ravi de faire ta connaissance. Oui, la fédération de golf m'avait prévenu qu'une autre personne arriverait un peu en retard. Comment ça, je suis en retard? Plus on est de fous... Mais que vaut ton swing? C'est quoi ton meilleur drive? On sort se mesurer sur le green? Fais pas attention à lui, il a une balle de golf à la place du cerveau. Allons, vous allez vous entraîner ensemble. Alors faisons les présentations, d'accord? Bulldozer, je frappe fort, bam, peu importe où va la balle, tant qu'elle va loin, il y a. Moi c'est Toadette, je suis ravi de rencontrer un nouvel adepte du golf, on va pouvoir s'épauler. Je suis Bou, oui, Bou, et je boue d'impatience de démarrer l'entraînement. Quelqu'un a... Quelqu'un a encore autre chose à ajouter?
Ouais, je vais aller faire un peu de muscu. Parce que pour être le roi du green, il faut des muscles de platine. Tout à fait. Moi, je vais me coucher pour des muscles en pleine forme, il faut bien se reposer. Les basses considérations musculaires des êtres de chair et d'os. Eh bien, ça nous fait une drôle d'équipe, tout ça. Mais je m'égare, tu dois être épuisé. Tu peux aller dans ta chambre et te reposer si tu veux. Pardon, je ne me suis même pas présenté. Je suis Birdo et je m'occupe de tout ce petit monde, comme une maman. Mais t'es censé être un mec ou une fille, en fait, selon les légendes, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, ta chambre est tout au bout du couloir. Demain aura lieu la cérémonie d'accueil des novices. Repose-toi bien, ok. Ah oui, donc du coup, on est quand même sur un jeu en 3D. Ok, c'est pas comme du Mario Tennis. D'accord. Il fait un peu tard pour ça, non? Tu ferais mieux d'aller dans ta chambre, aller tout au bout du couloir. Le couloir est ici. Chambre de Toadette. Télévisionne. Et moi, je vais... Ah. Ok, j'ai pas le choix, en fait. Bon, bah, go. Chambre de Bulldozer. Chambre de Boo. Chambre de... Ah. C'est sommaire. Il n'y a pas besoin de plus pour dormir, hein. Bon, bah, couchons-nous. Allez retrouver le directeur devant le club house. Chambre de boue, bulldozer. Ah, je peux rentrer dans les chambres des autres. Ouais, c'est la même quoi, y a rien d'intéressant. Mais s'ils font ça en mode mini RPG, je vais passer mon temps à vouloir explorer quoi. C'est les mêmes chambres. Hein. Il n'y a rien qui les différencie, ce sont les mêmes chambres. Rien de nouveau, allez. Et après c'était la mienne, hein, c'est ça, ouais. Canapé. Rien à la télé. Je descends. Ah, tu t'es levé, bonjour Dick. C'est l'heure du petit déj. Tu as bien dormi, j'espère que tu es en pleine forme. Oui, on va pas marquer non. Tant mieux, tu semblais avoir besoin de repos alors je ne t'ai pas réveillé. Mais tu vas être en retard pour la cérémonie d'accueil, sors vite et suis la route, allez dépêche-toi. Ouais, on est vraiment sur un faux RPG quoi. C'est la chambre de Birdo ça? Il y a un livre. À manger. Mais oui, mais je veux d'abord aller. C'est quoi ça? C'est un four? Non, j'ai l'impression que c'est une friteuse. Frigo vintage. Allez, go. Une dernière chose. Tout le village est au courant que de nouvelles recrues sont arrivées. Tous les regards seront braqués sur vous, les jeunes espoirs de demain. Alors efforce-toi de faire de ton mieux, mets-y du tien et tout se passera bien. Astuce Gros Raoul, Roug. Je vais appeler ça Roug parce que je sais pas comment on le prononce. Erascot. C'est joli. Ah, mais on est vraiment sur un RPG en fait. J'ai l'impression que c'est Pokémon, mais en golf quoi. Y'a des Koopas. Non, on est très bien là. Bonjour et bienvenue au village des Rascots, berceau du golf, au royaume champignon, cher jeune recrue. Ah, donc on est déjà au royaume champignon, ok, d'accord, je me posais la question de quel monde on était. Tu as dû déjà l'entendre moult fois, mais celui est légendaire, sacré, on ne compte plus le nombre de joueurs qui sont arrivés rookie et repartis héros. Ah mais ok, oui mais je vais pas les lire 50 fois non plus. Tu dois être ce nouveau rookie dont j'ai entendu parler. Tu as du talent à revendre, à ce qu'il paraît, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Vers Vallon les Flots. Mais c'est fermé. Le passage est réservé aux joueurs ayant au moins un badge chrome. Oh punaise, on est sur une aventure complète. Ah, topi top! Le golf, c'est une passion qui vit au plus profond de moi. Il est donc logique que moi, je vis au plus profond du terrain de golf. Bah oui, bien sûr, c'est logique.
Ce village regorge de jeunes qui débordent de talent, mais il ne faut pas s'enflammer trop vite. Personne ne peut devenir un champion du jour au lendemain. Laissons aux rookies le temps d'éclore et d'évoluer. Bon, la flèche me dit d'aller là-bas, du coup je vais là-bas. En toute logique. Je peux passer là. Non, il y a des sécurités. C'est joli, par contre, pas vraiment. Le temps idéal est idéal pour un rookie, tu ne trouves pas? Oui, ce sont vraiment des conditions idéales pour débuter au golf. Imaginez jouer au golf sans être un sportif accompli, ça appartient totalement au passé. Les champions d'aujourd'hui sont des athlètes accomplis, surtout les professionnels du speed golf. Qu'est-ce que c'est que ça, le speed golf? Si tu veux aussi faire partie du top de la crème du top, tu vas devoir travailler ton drive, ton petit jeu, ton sprint, et faire de la cardio. Au secours. Bouh, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est du golf, Imra. C'est du golf. Mais c'est du golf, mais contrairement à Mario Tennis, on est clairement sur un RPG golf. Je m'attendais pas à ça du tout. Donc, Mario Golf. Il y a des moutons, il y a des moutons! Il y a des hoot-hoot. Et comme forcément, je m'attendais à un truc vraiment à la Mario Tennis, je me disais, bon, on va être dans le vif du sujet. Oui et non. Parce que, vraiment, c'est un monde, on va dire, semi-ouvert. Du coup, je vais passer mon temps à explorer et du coup, on va pas jouer au golf. Ils font des bruits bizarres, les moutons. Ils ne sont pas adorables, ces moutons tout moutonneux. Ça donnerait presque envie d'être un mouton, tiens. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Essaye d'éviter les moutons quand tu joues. Bah oui, la balle, elle va se cacher dedans, sinon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que les balles de golf ont été inspirées par l'aérodynamisme des Goombas. J'en suis très fier. Oui, bien sûr, oui. L'aérodynamisme des Goombas, oui, bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Mouton. Ah, mais il y a encore des chemins là-bas? Mais je vais passer mon temps à fouiller la zone. Tiens, mais tu es ce... Oh, trop tard. Tu es ce rookie dont tout le monde parle. Au golf d'Erascot, on trouve un practice et des parcours hors pair. Certains golfeurs viennent parfois de loin pour jouer ici. Sur le panneau d'affichage, là, tu peux voir une carte détaillée du parcours du golf d'Erascot. N'hésite pas à la consulter. C'est sûr qu'avec la tête suggestive des Goombas... Merci, Mara. Je n'avais pas pensé à ça. Mince. Ah, voici la carte. Alors, ça c'est le clubhouse. C'est là où je suis censé aller. Moi, je suis le curseur rouge. D'accord, donc j'ai de quoi explorer encore un peu. Là, il y a un café. Oh putain, un café, oui. Je veux un café. La boutique. Boutique, ça doit être la cosmétique. Mais avec les points, il n'y a pas de truc payant dans le jeu, à part payer le joueur lui-même. Parcours novice. Le practice. Parcours principal. Le dortoir et ma position actuelle. Sachant qu'il y avait un truc en bas du dortoir là. Ok. Bon, puisqu'il faut aller là-bas, allons de l'autre côté. Maître Lobe, excuse-moi, qui es-tu pour oser pénétrer dans ce jardin? Si c'est pour l'entretien, tu es en retard, je t'attendais depuis longtemps. Tu n'as pas l'air d'un jardinier, pourtant qui es-tu donc alors? Tu es un golfeur, dis-tu. Tu viens donc me voir pour parler de golf, je suppose, plus encore et toujours la même chose. Eh bien, mon nom est Maître Lobe. Ne me confonds pas avec d'autres individus au nom proche. Tiens, en fait, quelqu'un t'a parlé de moi? Non. Tu m'as rencontré par le plus grand des hasards sans que quiconque t'ait guidé vers moi. Voilà qui ne me paraît pas du tout suspect. Bon, ok, tu es là. Mais je n'ai aucune obligation de t'enseigner mon savoir. Rentre chez toi, sauf si tu veux m'aider à jardiner bénévolement, bien sûr. Bah, il est propre, ton jardin. Mon Wedge aurait-il par hasard attiré ton regard? Oui. Ma foi, je dois admettre que tu as l'œil, on dirait. Tu as tout de suite remarqué mon lobe wedge. Les coups lobés ne sont plus à la mode. À quoi bon envoyer la balle si haut, qu'ils demandent? Aucun courage, ces petits jeunes. On dirait un maître Sith. Bon. Savais-tu qu'on ne fabrique même plus de lobe wedge par ici? C'est tout de même inconcevable. Certains prétendent que ce sont des clubs obsolètes pour un coup totalement archaïque. Eh bien, je ne suis pas d'accord, non. C'est pas un jeu que j'achèterais perso, mais pourquoi pas regarder tranquillou. Bah, c'est l'équivalent de Mario Tennis, Mario Kart, etc. En vrai. Hein. Là, il y a un mode histoire, mais l'intérêt principal du jeu, c'est de jouer en ligne avec des amis. Voudrais-tu avoir l'immense privilège de posséder un lobe wedge? Oui. Tu peux être bien sûr pour dire non, mais tu dois d'abord savoir jouer un coup lobé. Ok.
ici, il y a deux personnages là. Tu auras un grand avenir dans le golf, je lis sur les lignes de ton visage, rappelle-toi ma prédiction quand tu seras un champion. Tu viens des rookies, félicitations, les gens ici ont tendance à attendre beaucoup des nouveaux, mais on est là pour vous encourager. Y'a rien de caché. Tac 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 tac. Oh, je suis obligé de faire le tour. Bonjour. Erascot, c'est l'endroit idéal pour s'initier au golf, tu t'en rendras vite compte par toi-même. Caméra sur 20, s'il vous plaît. Je fais partie des rookies, je crois qu'il y a en ce moment une cérémonie d'accueil qui se prépare devant le clubhouse. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Moniteur chef, tiens, on attendait bien plus que toi, tu es bien Jake, n'est-ce pas? J'aurais dû marquer non. Les jeunes recrues. Ah, oh, les jeunes recrues, la cérémonie d'accueil va commencer, alors tous en ligne et que ça saute. Mais j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. Eh bien, monsieur le moniteur, on dirait que tout le monde est là à présent. Attends, le moniteur, c'est un des frères Marteau, là? D'accord. Ah non, c'est Koopa. Bienvenue, chère nouvelle recrue, ou devrais-je dire, cher rookie. J'imagine que vous connaissez tous la glorieuse histoire de notre club. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Vous n'ignorez donc pas que le golf d'Erascot est le berceau qui a vu éclore d'innombrables golfeurs légendaires. Pourquoi il m'a regardé bout? J'espère que vous réalisez votre chance. Vous aussi, vous allez pouvoir ajouter votre chapitre à la légende du vénérable golf d'Erascot. Je cherche le jeu de mots avec Erascot depuis tout à l'heure, je n'en trouve pas, quoi. Je me présente, je suis le directeur de ce club et je suis ravi d'accueillir notre nouvelle classe de débutants. Vous venez de faire connaissance avec votre moniteur chef. Je pense pouvoir affirmer que c'est un formateur exceptionnel. Sachez qu'il a déjà lancé la carrière de nombreux pros. On veut les noms. Merci patron. Bien, si vous êtes ici, c'est que vous avez du potentiel, un avenir dans le golf. Il y a beaucoup trop de dialogues. Mais ce ne sera pas facile, je vais vous aider à développer votre talent, certes, mais il va falloir travailler dur, très dur. Bien, je vais maintenant vous distribuer ceci. Une montre connectée! Oh, trop bien! Si seulement ils pouvaient l'offrir en vrai. Elle consigne vos activités, vos scores et propose bien d'autres fonctions utiles. Venez récupérer la vôtre à l'appel de votre nom. Bulldozer! Yo! Il paraît que tu sais frapper fort. Voyons si tu peux aussi apprendre à frapper bien. Frapper bien, pourquoi? Ça me fera frapper encore plus fort? Toadette. Présente. Il paraît que tu es futé. Comme pour les échecs, au golf il faut de la tactique. Oh, ça serait bien, Mario échec. Oh, ça serait trop bien. Au golf il faut de la tactique. Alors j'ai hâte de voir de quoi tu es capable, gamine. Je vais faire de mon mieux, monsieur le moniteur. Bouh. Ouh. Il paraît que tu as un talent surnaturel pour les frappes bien contrôlées. Voilà qui peut pallier un manque de puissance. Un manque de puissance? Je vais vous montrer ce qu'est la puissance, moi. Oh, de puissance physique, là, oui, d'accord. Et l'autre qui réagit, forcément. Et enfin, Jake, bonjour. Il paraît que tu es un véritable prodige. Je sais pas, je viens de lancer le jeu. Mais un prodige en herbe, un peu comme le green. Oh, ce jeu de mots. Même moi, je l'aurais pas fait. Bien, présentations sont faites. Enfilez tous votre montre au poignet. Vous en aurez toujours besoin. Montre au poignet. Vous avez activé votre montre connectée! La montre connectée contient déjà vos données, c'est magique. Appuyez juste sur ON pour vérifier que tout fonctionne. L'écran qui s'affiche au démarrage est assez simple, il comporte pour l'essentiel un aperçu de votre profil et de vos aptitudes. Ces merveilles sont ultra sophistiquées, il vous faudra donc un peu de temps pour en découvrir toutes les fonctions. Il faut à présent que je vous explique le principe des badges. Non mais sérieusement, on peut jouer à un moment donné? Celui que vous avez a un aspect tout simple, parce que vous n'avez pas encore que le badge de golfeur le plus basique, le badge acier. Ouais, c'est un Pokémon. On joue à Pokémon, quoi. Lorsque vous obtiendrez le badge platine, vous serez au sommet de la pyramide de vrais pros. Et pour améliorer votre badge, vous devrez participer à des tournois. Votre montre connectée se mettra alors à jour automatiquement. Merci pour cette présentation. Je vais maintenant vous présenter un autre membre important de notre équipe de formation. Oh, punaise, on n'en a pas fini, quoi. Ça fait combien de temps qu'on a lancé le stream? On va dire 20 minutes, le temps qu'il y ait eu l'écran d'attente. Bonjour tout le monde, je suis Todd et j'attendais ce moment depuis longtemps.
Le golf a plus de succès que jamais au Royaume Champignon. Les tournois d'hier étaient palpitants. J'en sais rien, j'étais pas là. Mais pour perpétuer ce sport, nous avons besoin de talents en gazon. Pardon, je veux dire en herbe. Pas seulement de nouveaux pratiquants, mais aussi de nouvelles têtes de classement. Et c'est là que vous entrez en jeu. Si on vous a sélectionné, c'est parce que vous avez du talent. Alors, qui sera la prochaine star? Au fur et à mesure de vos progrès, les résultats de vos parties de golf seront automatiquement transmis et comptabilisés. J'ai du mal. Comptabilisés par votre montre. Vous devrez vous entraîner sans relâche pour perfectionner vos compétences. Écoutez bien les conseils de votre moniteur. Mais si on se donne les moyens, rien n'est impossible. Peut-être que la prochaine légende de ce club, ce sera vous. Voilà qui conclut notre cérémonie d'accueil. Je vous dis à bientôt sur les parcours. Oh, Jake! Le caddie master voudrait te voir avant que tu n'ailles au practice pour l'entraînement. J'ai pas fini. Suis le chemin sur la gauche, tu ne le regretteras pas. Je n'en dirai pas plus, je ne veux pas gâcher la surprise. Fais vite qu'on puisse passer aux choses sérieuses, ok? Appuie sur plus pour ouvrir le menu de votre montre connectée. Ouais, en gros, c'est ouvrir le menu, quoi. Où suis-je? Ah, Anvers et Erascos, d'accord. Oh, punaise. On est vraiment sur un RPG. Oh là 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 là. Bon, après, oui, ça se comprend. Pas différents types de parcours de golf, donc forcément, terrain plus ou moins glissant, sablonneux, venteux. Oh, punaise. Je crois qu'on va manger du Mario Golf pendant un moment en stream. Mais vraiment, hein. Ça, c'est mon profil, d'accord. Et une endurance, ça veut dire qu'il va falloir faire gaffe à la fatigue, je suppose. Équipement, tenue de golf de tous les jours, ouais. Les différents trucs. Comment jouer au golf? Consulter les explications des commandes et des termes de golf, donc retour du tuto. Que j'ai pas pu afficher tout à l'heure en stream, je sais pas pourquoi, ça c'était bizarre vraiment. J'ai juste voulu lancer vraiment le tuto et en fait ça s'est figé en stream. Alors pas moi, ma tête et le son continue à défiler, mais l'écran s'est figé comme si c'était du spoil, genre une cinématique de Kingdom Hearts ou de FF. J'ai pas compris pourquoi, alors que c'était un didacticiel. Bon, du coup j'espère qu'on va pouvoir vraiment jouer, quoi. Pour l'instant on n'a pas commencé à jouer. Journal de l'aventure, remise de la montre. Il y a beaucoup trop de choses en fait. Bon, je suis ici. Je voulais continuer à discuter avec les personnages. Ok, je peux pas discuter avec les personnages en fait. On est sur un RPG ou pas? Faudrait savoir les mecs. Caddy Master. Ok, il m'attendait. Je te rassure, c'est pas pour te gronder. Je voulais juste que tu viennes chercher ton barda. Tu es là pour ça, n'est-ce pas? Oh, j'ai envie de marquer non. Non. Ah là là, c'est rookie, c'est toujours la même chose. J'ai fait venir pour te remettre ton premier jeu de club. En fait, il n'y avait aucune influence. Ils ont déjà été ajustés spécialement pour toi. Cool. Alors, quand tu joues ici, tu dois... Oh, beaucoup trop de texte. Quand tu joues ici, tu dois courir après ta balle sur tes petites jambes. Désolé, tu n'as pas le droit aux voiturettes. Oh non, je voulais une voiturette. Pas facile de trimballer tous ces clubs à la fois, tu te dis, bah t'en fais pas. On ne te demandera pas non plus d'emporter 14 clubs avec toi. Bah j'espère. Hein. Oh purée. Là je t'en ai sélectionné 7, ce qui fait un demi-jeu de club. Oh punaise, hein. Il y a vraiment 14 au total. Tu peux emporter davantage si tu veux, mais tu seras moins rapide. Oui, c'est logique. Il y a un système de poids. Oh, au secours. Bien, j'ai suffisamment jacassé ce sac de golf. Et pour toi, tu peux tout de suite le mettre sur ton dos. C'est moi qui fais ce bruit-là. Vous avez tenu un club de... Oui, bon, voilà, vous m'avez compris. Alors, avec juste un demi-jeu dans ton sac, il faudra bien choisir tes clubs selon ton style de jeu. Mais pour débuter, cette sélection devrait te convenir. Le jeu est hyper complet, en fait. Je m'attendais à un truc tout chill, tout tranquille.
Non, c'est compétitif. On va faire de l'e-sport. Oh purée. Ok, il faudra venir lui parler si je modifie les codes. Faut en prendre soin, oui. Va donc inaugurer tes clubs sur le practice. Qu'est-ce que je peux parler aux gens maintenant? Il y a quand même un timer. Attendez, je me situe où exactement là? Ici, d'accord, là c'est le club. Je peux rentrer là-dedans, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a des gens à qui j'ai pas parlé là-bas. Ça va pas trop m'aider. De toute manière, on n'est pas sur des easter eggs ou quoi que ce soit. Bon, allons direct boire un café. Mince! Ah, c'est bon ça. Viens investir. Bonjour, monsieur et dame! Le club house n'est pas vieillot, il est vintage. Je suis complètement d'accord. Autrement dit, il n'est pas neuf, mais on s'y sent bien. J'ai bien mangé, mais voilà, de nouveau plein d'énergie. Oh punaise, il va y avoir un système comme ça. C'est bien, oui, c'est bien, ça fait de la prévention, mais... Bon, c'est pas grave. Casier à gauche, café à droite, bureau du directeur à l'étage. C'est grand. Non, je voulais pas... Voilà, j'ai trouvé une porte, je suis rentré dedans, il fallait pas. Ok. D'ici the boutique, the shop. Bonjour, messieurs Todd. Est-ce que je souhaite... Oui, je veux tout acheter. Alors. J'ai zéro pièce, mais je regarde. Télémètre. Ah, ça, c'est indispensable, ça. Ça, c'est indispensable. Bon, ensuite, il y a quoi? Ok. Et toi, tu vends quoi? Reçu dans le jeu de club du départ. Ouais. Bonjour. Les infrastructures de ce club sont parfaites. Génial. Ils ont l'air doués les jeunes. Bah, c'est le principe même d'un casier en fait. Ensuite le café, ils ont dit qu'il était là. Oh, il y a du monde au café. Je travaille dans la gestion. Il paraît que mes stats sont bien améliorés. La gestion de parcours, c'est essentiel. Lui, il est caddie. D'accord. Lui, il va m'aider à m'orienter, donc. Ouais, il fait de la pub pour le matériel. J'ai pas d'argent, je peux pas me payer à manger. D'accord, bon, on ira plus tard. C'est sympa comme décor, n'empêche. C'est vraiment très sympa. Bon, on va aller voir le directeur. Bonjour. Et le golf mêlé, tu connais, non? Qu'est-ce que c'est le golf mêlé? Mêlé, ça me fait penser à du Smash. Bon, il y aura peut-être accès plus tard. Certains disent qu'ici, à RSCOS, on apprend que les bases. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal au juste à apprendre les bases? Bah, il faut commencer par les bases, de toute façon.
tu veux progresser, tu ne peux pas te contenter d'enchaîner les parcours, tu dois aussi travailler ta technique. Quand tu te découvres un point faible sur le terrain, concentre tes entraînements sur cet aspect de ton jeu. Il y a des petites voiturettes. Je veux en conduire une. Je veux conduire une voiturette. Ok. Sympa, t'as un monde connecté. Ok. C'est le café. Améliorer les entraînements, etc. etc. Bon. On va suivre la flèche rouge. Parcours novice. Practice. Je peux aller dans l'herbe? Ah non, zut. Encore, mais j'en voulais pas. Lancez-moi la partie directement, arrêtez! Bon, ça a l'air d'être de ce côté-là. Ah non, c'est de l'autre côté. Bon, bah allons par là. Punaise, il y a trop de choses à faire. Bon, on va y aller directement. Il y a beaucoup trop de choses à lire. Beaucoup trop de choses à lire. Le jeu est extrêmement complet. Peut-être même trop complet. Bah, du coup, let's go. Hein. On va taper derrière la balle. Oui. Veux-tu avoir des explications sur les commandes de base? Oui. Utilisez L pour définir la direction dans laquelle vous voulez frapper votre coup. Et là, de nouveau, vous voyez pas l'autre écran du tuto. Punaise! Appuyez sur... c'est quoi ce bouton? X pour afficher une vue aérienne. Ouais, vous voyez pas le tuto, je comprends pas pourquoi. Bon, et là, vous retrouvez ça. Ok. J'irai me renseigner sur cette chose. 100 points. 60 points. Il faudra tenter de faire s'arrêter la balle sur le secteur bleu foncé. D'accord. Vous voyez ça, c'est pas mal. Trop fort. Ah non. Ouh, j'ai pas joué à grand chose. Hein. Accélère. J'ai fait la même chose à chaque fois, donc bon, jusque là ça va. Ça s'est bien passé, tu as réussi à atteindre la zone bleue, oui. Pour le second exercice, nous jouerons encore 5 drives, mais en visant cette fois-ci un birdie. Le trou avec un jeu plus agressif.
Ah. Du coup, je vais me mettre par là et je vais taper fort. Prends le risque du sable, mais c'est pas grave. Oh, 10, dis donc. Ben, on va faire la même chose. Hein. Accélère. Ouais, j'ai 400 pièces pour m'acheter le télémètre. Et je prends un niveau. Tant qu'à faire. Confirmer l'amélioration de vos aptitudes. Oui. Pourquoi il faut pas? 60 points, tu as validé la leçon, tu fais prise d'une maîtrise hors du commun. Ok, ok. Le carry est le trajet parcouru par la balle dans les airs, et la course est la distance qu'elle parcourt en touche. Oui, ça ok. Appuyez sur X pour observer la vue aérienne, oui. La puissance donnée à votre coup lorsque vous frappez la balle va déterminer la portée du carry. Si le coup peut arriver au trou, le drapeau est affiché sur la jauge. Choisissez la puissance du coup en tenant compte de la course. Faut aller où ? L'autre côté, ok. Une approche est un coup frappé depuis l'extérieur du green vers le trou, qui vise à faire s'arrêter la balle sur le green. Appuyez sur Y lorsque vous utilisez l'un des trois wedges, PW, AW ou SW, pour effectuer un demi-swing dont la portée sera réduite de moitié. Appuyez sur Y. Commençons sur une approche simple, 27 mètres terrain plat. À 9 mètres du green et le trou se trouve à 18 mètres plus loin, donc 27 mètres au total. Trois balles pour y parvenir, d'accord. Pas tout à fait ce que je voulais. Ça a fonctionné, mais c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, on va faire ça. Je vais trop fort. Là, c'est bon normalement. Ouais. Joli. Mais réussi, ouais, j'ai juste tapé en fait, mais bon, c'est pas grave. Maîtriser les approches, ok. Exercice suivant, les distances sont les mêmes. Il y a une montée. Elle est où la montée? Sans déconner, pour moi, je vois le terrain plat là. J'ai pas compris où était la montée, excusez-moi le jeu, mais... J'ai encore tapé trop fort, quoi.
coup je vais taper là. Et là me dit pas que ça passe pas quand même. Et là, et allez, cadeau, c'est gratuit, voilà. On est en pente. Ouais, il y a un petit dénivelé, ça va. Un poil trop fort. Là, c'est volontaire. Est-ce que ça passe? En bleu. En bleu, mais pas en bleu comme je l'espère. Il faut que j'aille au-delà du truc. Je vais mettre par là. Ça me paraît pas mal. Là. Allez. Oui. Joli. Allez, niveau 3. Ah, mais c'est là où j'assigne les trucs, d'accord. Ensuite, leçon suivante. On va directement sur ça, ce sera plus simple. La cible est à 5 mètres de la balle. Ensuite, imagine un cercle de 1 mètre de diamètre autour du trou. Ton objectif va être que ta balle s'arrête à l'intérieur de ce cercle. Pour réussir l'exercice, tu dois obtenir 10 points. Bien, je vois même pas Mario. Mario, mon mi, c'est un peu Mario. Ah, j'ai pas la. D'accord. Bon, bah, 10 points, c'est fait. Hein. Trop fort. Mais ça passe. C'est réussi, mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas t'améliorer. Exercice suivant. Putt de 5 mètres. Cette fois-ci, le green n'est pas plat, c'est une mini-colline. Dénivelé 20 cm. Il va falloir pousser ta balle un tout petit peu plus. Ok. Je vois pas trop à quoi ça sert, ça. Je comprends pas. Allez! Je vais dépasser un tout petit peu le drapeau, voilà comme ça. Et pouf! Voilà. Ce sera pas la même chose en compétition, je pense. Exercice suivant. Cette fois-ci, on est en descente. J'ai juste allé tout droit. Allez, 2,30. Joli. Pourquoi il me met mais que je perds des choses là. Alors, j'achète des chaussures. Ok. Donc ça c'est les exercices effectués. Bien, et maintenant, je reviens par là, au village.
Ah non, je reviens pas de suite. Non, mais par contre, on va acheter quelque chose. Parce que c'est quand même indispensable. On va acheter le télémètre. Ça va être très très pratique cette chose. Oui, je veux acheter ça. J'ai combien de pièces? 1400. Oui, j'achète ça. Oh oui. De rien. Oui. Le télémètre permet de mesurer la distance qui vous sépare du point visé par votre coup. Appuyez sur R avant de jouer. Votre coup pour afficher l'écran du télémètre. Ça sera bien pratique cette chose-là. Oh, on n'a pas le droit d'utiliser dans les tournois. Oh zut. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Rien pour l'instant. Quoique. Je vais peut-être changer mes chaussures. Au moins les chaussures. Non, je vais prendre ça. J'aime bien. C'est joli. Voilà. Et comment je fais pour m'en équiper? Comme ça. Voilà. Il n'y a pas une sauvegarde ou quelque chose? Non. Il est peut-être par là. Non. Je ne sais pas. YOLO. Direction le practice. Il y a encore beaucoup de lectures. Ça a l'air. J'ai fini les leçons, très bien. Moi, je teste ensuite les joueurs sur quelques trous. Oui, je suis prêt. Veux-tu voir comment le lit de ta balle peut affecter la portée et la précision de ton coup? Le contrôle de la balle influe sur le risque de sa trajectoire dévie, ce qui est présenté sur les côtés de la jauge. Oui, ça, j'ai compris. Différents facteurs peuvent affecter votre contrôle de la balle, son lit, mais aussi la puissance de frappe ou bien le club utilisé. La déviation que subira votre balle est définie aléatoirement, au moment où vous déterminez la puissance de votre coup. Si la puissance donnée à votre coup l'expose à un faible risque de déviation, sa portée et sa trajectoire seront fiables. Cette partie de la jauge de puissance est donc appelée la zone de sécurité. Si en revanche la puissance atteint un niveau où le risque de déviation est fort, la portée et la trajectoire de coup seront moins fiables. Cette partie de la jauge est donc appelée la zone à risque. L'icône point d'exclamation s'affichera aléatoirement si votre coup est joué dans cette zone. Pour jouer des coups plus précis, modérez votre puissance afin de rester dans la zone de sécurité. Si la balle a un lit défavorable, sur le roug ou dans un bunker par exemple, la jauge aura une zone de sécurité réduite. Ah oui, en effet oui. D'accord, ok, j'ai compris. Trou 1 par 4, 262 mètres, vent de 5 mètres par seconde, direction nord-ouest. 3 trous avec un score de plus 5, ou mieux. Attention. Ah voilà, là on fait du golf. Ah, je commence à vouloir skipper les trucs. Allez, sur le green. Yes. Fairway. C'est pas tout à fait sur le green. Ah, ça peut le faire. Trop fort dans le bunker. Eh oui. Eh oui. Ah non. Joli. La grille me gêne. J'ai
j'ai juste appuyé sur le bouton, j'ai rien fait d'autre. Mais la grille m'a gêné. On dirait des scores de bowling. Bon bah j'ai fait 5. Attention. Oh bordel. Ah punaise, soit je la joue legit, soit je skip par là. Ouais non, je vais la jouer normal. Je vais la jouer par là. Ici. Yes, c'est pas mal. Il y a peut-être un arbre qui va me gêner. L'arbre... On est toujours dans l'apprentissage, donc je vais tenter de taper l'arbre. Je vais voir ce que ça fait. Est-ce que ça passe au-dessus ? Ça passe au-dessus, mais du coup c'est beaucoup trop fort. Et comme un imbécile, je n'ai pas regardé le vent. J'aurais regardé le vent, bah oui. En plus j'ai tapé trop fort. Et le point d'exclamation est affiché. Allez, ça aurait bien se passer là. Voilà. Joli pas. Attention. Ouais, il faut aller tout droit là. Mais il y a un petit vent. Il y a un petit vent. Voilà, petit vent. Ouh, trop fort. Trop fort, je pense. Ah, trop fort et ouais, j'aurais dû décaler encore plus sur la gauche. Allez, dans le rouge. Dommage ça. Je glisse trop fort. La grille me gêne vraiment. C'est horrible. Au-delà du drapeau, ça fonctionne. Bogey. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais, ça. Ah, 700 pièces quand même. Allez, deux niveaux. On va mettre un coup d'effet. Un coup de chaussure. Je sais pas pourquoi il me mettait que ça allait moins vite. Peut-être qu'il y a la jauge d'endurance qui a fait quelque chose, j'ai pas fait gaffe. La jauge de puissance est divisée en 1 à 4 sections. Vous pouvez incurver la trajectoire de la balle à votre guise sur chacune des sections. Améliorez votre aptitude d'effet et vous aurez plus de sections sur la jauge, ce qui vous permettra de mieux ajuster la trajectoire. Les joueurs mi peuvent utiliser les points gagnés à chaque montée en niveau pour améliorer leur aptitude et obtenir plus de sections. Mario et les autres doivent quant à eux accumuler assez de points de personnage pour obtenir des jeux de club avec plus de sections. Avec une jauge à 2 sections, inclinez le joystick pour la première. Quoi ? Inclinez joystick droit pour la première et joystick gauche pour la seconde. Incurvera la trajectoire d'abord à droite puis à gauche. Oui, vous voulez pas qu'on contrôle la balle comme un drone aussi? Le jeu est censé être hyper complet et réaliste, quand même. On a des pouvoirs maintenant. Bravo. Défi suivant. Tu as 10 minutes pour terminer. 1 par 3, par 4 et 1 par 5. En obtenant un score total de 3 coups au-dessus du par ou mieux. C'est du speed golf. Alors tu vas devoir... aussi courir jusqu'à ta balle après chaque coup. Je prends le relais, je me charge du chronomètre. Pour ce test d'entraînement, tu vas te déplacer sur tout le parcours. Oui. Ouais, bon, je sais que c'est déplacé. Bouton sauter. Appuyez sur B en courant pour sprinter. Vous vous déplacerez plus vite, mais la jauge d'endurance va se vider. Quand vous faites un sprint, vous pouvez également pousser vos adversaires hors de votre chemin. Si l'endurance est dans le vert, vous pouvez... déclencher avec L un sprint
pour courir très vite, mais la jauge va se vider. Quand vous percutez un adversaire avec un sprint spécial, vous pouvez lui faire perdre l'équilibre. C'est horrible comme jeu. Les commandes pour frapper la balle sont les mêmes qu'avant, mais tu dois d'abord rejoindre la balle en courant. D'accord. Attention. Pourquoi j'ai pas regardé le vent? Je me fiche complètement des effets. Ah mince, mais il faut courir! Mais qu'est-ce que je fais? Sur le green. Je regarde ma balle, mais non, et cours, bonhomme! Cours. C'est comme ça. Mais ça va être super intéressant en fait en compétition. Une légère hauteur. On va faire ça. Voilà, si je le rate quand même. Voilà. Ou 18 se vend à contresens 440 mètres. Attention. Où suis-je? Je vais le tenter comme ça. Il y a le vent qui va par là. Il y a danger. Attends, je suis dans le bunker. Oh non, je suis dans le bunker. Ça m'embête. Allez, bunker numéro 2. Ah non, je suis même pas allé aussi loin que je le pensais. Ouais, 1000 pièces. Alors,
Et là, ils me font perdre des trucs là. J'aime pas. Tu gagnes en niveau, tu perds en stats, c'est pas logique. Parcours principal, ok. On va pouvoir jouer. Encore une chose, même si tu as maintenant accès libre au parcours, n'oublie pas les efforts qu'il t'a fallu faire pour y parvenir. Continue à t'améliorer, etc., etc. On va passer par la boutique. Parcours principal, on va dire que c'est le monde 1. En toute logique. Ah, je vais peut-être aller jeter un œil au café. Bonjour, monsieur, dame. Ah. Bon, d'accord. Oui, je veux acheter les chaussures. Incurve la trajectoire à l'opposé de la main dominante, du côté de la main dominante, renforce la puissance des effets de backspin, donne à la balle un effet de topspin. Pour l'instant, je vais pas trop m'amuser à ça. Je sais pas trop comment les gérer. Là, il m'a tout donné, hein, on est d'accord. Je vais rester sur ce que j'ai, je pense. Ouais, je mets juste les chaussures, le reste, je reste sur ça. Donc, normalement, là, on va dire que le tuto directement en jeu est terminé. Alors, on n'a pas fait tout le lexique, hein, bien sûr. Sinon, on va passer du temps à tout lire. Et on va passer, je suppose, au monde 1. Ouais, c'est ça. On va passer au monde... Enfin, là, c'était le tuto et Rascot. Après, il y a un truc là. Un truc là. Là, là. Ça fait 4 mondes. Ok. Je vais mettre un marqueur. Peut-être que je vais découper ça pour YouTube comme ça.